Je suis Christine Baumlag. Au départ de ce parcours, j'étais chargée formation, aujourd'hui responsable formation. Alors, mon parcours, il est particulier parce que au début, j'étais pressentie pour être juste auditeur libre, étant donné ma position dans l'entreprise, c'est-à-dire suivre les formateurs et les accompagner. J'étais plutôt appelée à faire des inspections pédagogiques. Et pour cela, je devais être au même pied avec eux, c'est-à-dire savoir ce qui est attendu d'eux pour après assurer ce suivi. Alors, juste les deux premiers jours, avec mon intérêt manifesté, j'ai été acceptée à suivre le parcours comme, donc, en tant qu'apprenante et candidate pour l'habilitation. Donc, avec ça, je crois que je suis partie de zéro à top. Parce que c'était une appréhension pour moi que de former, d'être formateur. Alors, je ne me voyais pas en train de prendre parole, comme je suis d'ailleurs en train de le faire aujourd'hui. Une certaine timidité, du tact, et avec ce que nous avons reçu, c'est-à-dire des astuces, les attitudes professionnelles, pour apprendre à faire et à faire. Aujourd'hui, je suis capable de tenir une session de formation devant les adultes, parce que c'est ce que nous sommes appelés à faire au niveau de Cameraï, la formation des adultes, c'est-à-dire l'andragogie, ce n'est pas chose facile. Donc, il faut être capable de faire accepter la formation à ceux-là qui sont appelés à apprendre, de les accompagner tout le long, de captiver leur attention tout le long, leur participation et de leur rendre performants. Alors, c'est pour ça que nous avons été appelés à venir ici. Et c'est ça l'objectif de cette formation. Et aujourd'hui, je pense que c'est atteint. L'objectif, grâce à Manu, grâce à l'équipe de PANES, grâce à la direction générale de Cameraï, à la direction des ressources humaines, qui nous ont permis de bénéficier de cette opportunité. Nous qui avons eu cette habilitation ce jour, nous nous sentons capables et aptes à faire ce pourquoi nous sommes appelés à exercer dorénavant. C'est-à-dire, on prend des experts qui ont déjà du métier, on leur donne la matière, les outils pour transmettre. Parce que le but aujourd'hui, c'est que ceux qui sont là, qui ont une certaine expérience, une certaine expertise dans des domaines variés, transmettent aux autres ces connaissances et leur rendent plus performants et plus productifs. Alors nous avons, au bout de ces quelques mois, et c'était étiré sur 6 mois, mais c'était 15 jours de formation, nous avons appris beaucoup et nous nous sentons capables de donner beaucoup. Merci.